Encore une fois, n'a pas demandé chaque grand monde qui a tendu une cap garden là. Fais-le avec tout cœur. Qui ton petit mot d'encouragement avec tout compatriote haïtien qui vive dans ville Wanamet. Quitte yon petit mot d'encouragement pour chaque grand agent BESAP qui déjà a concerté entre yo pour yo accompagner citoyen dans ville Wanamet qui prend initiative pour que yo campé red pour que frontière Wanamet là sous contrôle population. Bravo avec toute autorité dans Wanamet, toute autorité dans Wanamet qui décide yo même yo di yo pap tan l'ordre nan menek Port-au-Prince pour yo al solidariser yo avec population ça que Abinadel a maltraité, a déporté massivement le fin massacré yo. L'autre dossier que nous pral parler ensemble avec vous et avant que nous remercier Zanmenou yo qui dans Belader Plateau Central, agent BESAP surtout avant que nous remercier Zanmenou yo qui dans fond parisien en sapit tout ça, tout l'autre zanmi qui dans aria frontière Haïti avec la Dominicaine yo qui te me dit nous clairement. Vidéo que nous t'ai parlé nous de li hier dans dernière émission Infobeto qui t'est sorti à 6h30 dans après-midi, hein? Dernière émission Infobeto, c'est l'heure ça sorti 6h30 p.m. Côté que m'te dit nous, une raison qui motive m pour monter vin faire émission ça jodi, hein? C'est suite avec une vidéo que me regarder côté que gen 6 dominicains qui kidnappé yon jeune garçon haïtien, yo mette l tout ou ni yo femme l'an dans chamkay, yo mari l deux bras derrière, gen yon ki kebe ponyet li, gen yon ki kebe tèt li, ki kale penil, et puis la fèl souse, eh ben, koulout li. Gen yon ki pese dol, qui kembe deux bras derrière mari red et puis gen yon ki derrière qui kale koulout li k'ap fouye nan tout aili. M vraiment désolé mais m'a décrit image là pour nous parce que m pa ka mete le sou écran. M gen t'envoyé le ba en pile nan nou ça cause m'a mande chaque grand monde qui déjà j'ai une image là partager avec un ami qui besoin parce que numéro k'ap mande mieux tellement en pile hier soir si m pa trompé moi mal dormi n'importe 2h du matin. Pendant ce temps, je me lève à 5h pour me préparer l'émission. Ça veut dire qui ça? C'est le bagage qui est extrêmement compliqué que les Haïtiens vivent en Dominicanie. Image ça fait me sentir quand tu es jeune garçon que Dominicain a kembe a maré, a violé ou dans Femassisi, quand tu es jeune fille haïtienne que nèg yo a violé mais qui pa jam pran la rue. Ça vient faire me sentir que encore une fois haïtien quand dominicain yo pite yo al, alors yo 10,000 fois par en sécurité. Parce que li important pour que yo t'a fait choix ça al vivre plateau central. Parce que m'a regardé pour moi plus de 300 000 Haïtiens qui quittent Haïti, qui rentrent en Dominicanie, c'est pas Haïtien qui travaille dans la construction. C'est pas Haïtien qui travaille en Dominicain. Toutes ces mesdames, jeunes flâneurs, qui vivent en Dominicanie, sont familles qui ont gagné à l'étranger, sont ménages qui ont gagné à l'étranger, sont maris qui ont gagné à l'étranger, qui sont États-Unis, qui la France, Canada, qui m'ont dit traverser, qui connaissent que Kaye en Dominicanie pas tellement cher, mais qui dit que okay, cherche un petit caille qui canne 250 $ américains par mois, 300 $américains par mois, et puis m'a payé, n'a pas fait provision, qui pas tellement en pile, en attendant qu'il doit pour qu'on machine, mais pour sauver la vie, rester en Dominicanie, parce que y a un minimum de sécurité comparativement avec ça que n'a pas vivre dans Port-au-Prince dans la Tibonite. Zamim,
frèm sèm yo kap tande m kap gade m la, mwen vin comprendre pile bagay. M vin comprendre ki facilité que Dominique genyen pour que yo braque yon haïtien. Rale couteau solé. Pran téléphone ni, pran bouse li, vole tout sak solé. M'a rappelé moi yon ancien comédien qui te al pran kòb nan men Dimitri Vob, comme quoi que le tap vin faire mouvement politique, que le tap supposé gon droit pour faire politique, oui. Mais il te prend kòb nan men Dimitri Vob pour aller sacrifier cochon devant ambassade américaine, pour aller dans zone titanien, pour aller chirer, jeter un bouquet fleur, un bouquet fleur que président Jovenel Moïse t'al déposé dans Moselle en côté que monde 12 janvier 2010 yo t'es enterré. Comédien ça m'bi croire comment elle encore m'te remel longtemps, oui. Et Mathias Dandon monsieur t'es le monsieur t'es venu poser action ça commissaire quoi de bouquet a t'es lancé un mandat d'arrêt des monsieur. Eh ben équipe opposition à l'époque t'es fait monsieur traverser en Dominicani, Dimitri Vob t'a prend soin monsieur l'autre bord. Malheureusement pour monsieur, pendant monsieur en Dominicani, monsieur pral chercher petit cob dans transfert qui a voyé pour lui. Parce que monsieur pour que j'aime comprendre s'il est entré dans bataille et son job qu'il t'a fait n'a pas de valeur. Son petit monnaie pral voyé pour pral vivre et comme si m'a dit tant que cocorat en Dominicani. Et maintenant il prend petit transfert 300-400 dollars. Nan maison transfert en Dominicani. Dominique veye monsieur. Yo mande monsieur pour monsieur baye koblan. Le monsieur baye baye koblan. Dominique yo rale couteau. Yo manke tuye monsieur. Yo baye monsieur plusieurs coups de couteau tout vent li. Mathias. Ki anpil nan nou konnen ki te comédien. Mathias sa ki couché un ti moun 16 ans dernièrement la États-Unis. Depuis le yale yon ti jan paraît sombre, paraît tout en pâle sur réseau an, ou pas tellement ouel avec ti monsieur TikTok yo pou la tapote. Depuis le li fin couché ti mineur a te dénoncé li, et ben pile moun demandé pou te faire profil bas. Mais c'est pas là émission a jodi a. Son exemple que n'a prend sou crime k'a fait sou compatriote haïtien nou yo en Dominicani. Et c'est de bagay qui est extrêmement grave qui a passé en République dominicaine. Pendant que m'a parlé avec nous là, pendant que m'a tendez bien, oui, m'tou voyez dans téléphone là qui image qui montait, imagine haïtien, tendez bien, m'oblige gien cœur pour me dire, imagine haïtien que dominicain sacrifié à coup de couteau. Ça m'a regardé devant moi là, m'a regardé deux. Parce que tout yo paraît devant là. Désolé, m'a dit, moi 2, 4, moi 6, moi 8, moi 10, moi 11. Pour petit, moi n'importe 11 tout. Dans le dos, yon haïtien. Ça, c'est tout coup de couteau. Vraiment, m'prend courage, m'a dit, pour me dire. Même pas qu'à montrer nos images là. Si m'a tenté passer le comme ça, nous pas, il y a peut-être pas de problème sur YouTube là. Nous pas qu'à poster image qui est fragile ça yo. Aïe, aïe, monsieur. Désolé. Désolé. Bien que je ne prenne pas, mais je vais retirer le devant maintenant. I'm sorry. Je suis vraiment désolé. Aïssa mourit chaque jour. En Dominicani. Qui est haïtien qui a mouri? Gon catégorie bien spécifique pour le moment qui a mouri. C'est haïtien qui a travaillé dans le domaine construction en Dominicani. C'est haïtien qui a travaillé dans le champ. Haïtien qui a travaillé dans couper canne pour Dominicain. Planter manioc, patate, récolter banane, chou, pois, pommes de terre. C'est haïtien ça yo. Que Luis Abinader l'a traqué. Et surtout pour haïtien dans construction yo k'ap travay, k'ap construit la Dominicanie pour Dominicain sou podo yo, que a mal touché, c'est eux même que Dominicain a touye. Bon, gardons quantité
mon gars voit image là-bas moi bien que me touche j'ai condition ça avec mon yo dominicani mais ça un petit monde bon Dieu un petit jeune garçon c'est mon visage m'a regardé là ça pas même semblant jeune garçon qui dans trentaine ma quoi monsieur dans l'âge moi ça sont petit jeune même s'est couché monsieur mouri ça moi là là ça semble mon gars battre même donc quand il était tout dans dol. Et est-ce que c'est tout cartouche ou bien est-ce que c'est les sang ma connaît tout bal bien mais Jean Touyoye est-ce qu'elle était cartouche couteau pour mon quand il était couteau en seul côté comme ça est-ce que c'est pas cartouche que yoye et ma connaît peut-être que si me voyez vidéo à pour nous alors zami capitaine de Dominicani fait me connaît ba mande qui tout que yoye ba moi texte mon nan. Et bam texte pour moi faire le bam expliquer alors vous voyez voice mon cali voice là et est-ce que m'pas dans le voice là bam essayer le voice là peut-être n'attendre l'ensemble bam essayer le voice là non ensemble avec nous et bam mettre sur ça et oui non il manque faire monsieur bam essayer le voice là ensemble avec nous alors nous pouvons rentrer dans l'émission non mais et nous comme sinon dossier Haïti Dominique Haïti Haïti qui vit en Dominicani OK nous en entendre et qui ça voice a dit entendre. Ça, ce matin, là, la capitale, immigration, M. Balsara, de l'Asma Balé. C'est comme ça, la vie. Oh, OK. Katouche, vraiment. OK, Katouche. Yeah. Semble son bal 12. Bal gozam, dam, bal 12, yeah. Parce que quantité de tout yo qui ont seul côté, semble son zam qui ont, alors, peut-être on bal 12, ma connaît, ou bien tout c'est criblé ou criblé. Parce qu'il prend tout cartouche en seul côté ouais tout touyo dans dol et yo tué monsieur. Yeah. Yo tué elle. Avant que nous arrivions plus loin, même j'en t'ai fait hier. Alors tout d'abord, quittez me saluer chaque gagnant nous. M'a dit non, nous vraiment désolé si que c'est image ça yo qui m'a décrit dans l'émission avant que nous rentrions dans actualité yo. Mais comme c'est de ça tout, vraiment, nous avons toujours parlé dans l'émission, hein? Mais décrire une image comme ça, dès le départ, monsieur qui a dérangé un peu l'anon, peut-être qu'il y a un peu qui n'a pas bien cœur, il y a un peu l'anon, monsieur qui a bien de l'eau, qui a collé dans les yeux, non, dans le moment ça. Mais m'a dit non, prends courage, nous à des bras. Et m'a salué chaque gagnant, qui a attendu, qui a gardé là, je dis, hein? Encore une fois, c'est un plaisir pour que moi, ensemble avec nous, dans cette émission ça, pour nous et partager information ensemble avec nous-mêmes qui dans diaspora qui gen famille non qui peut-être nous pas attendre ça qu'arrivé immigration arrêté au mais nous chercher information l'information qui a partagé ensemble avec nous ça qu'arrivé aux jeunes nouvelles famille et n'a tout profiter tout et bay conseil avec compatriotes haïtiens qui en Dominicani même j'aime te dire premier décision li nan main ou même haïtien ça qui en Dominicani qui en difficulté que immigration que la police que l'armée dominicaine que tigelé a couru d'elle pour ou ses premières victimes ou même surtout qui travaille dans domaine construction qui a levé au jour le jour qui va le vendre journée maçon ou ses premières victimes la vie ou pas veut dire rien dominicain kembe nous dominicain massici en pile yo croit dans massici yo croit dans bouda garçon. Eh ben yo kembe garçon yo mari garçon yo viole garçon vidéo que me gagne dans image là au côté mon de l'eau à terre et bon pied monsieur a fois dit mon sang cap couler dans pied monsieur pendant que nèg yo a violé monsieur dans derrière ça veut dire que pour moi même son nèg que nèg yo enfragile et puis il gagne les gon sang cap couler et dans pied mais ça pas empêcher que dominicain continuer violer monsieur ça veut dire que pénis monsieur red pour que pour un garçon. OK, pour un garçon pareil li, en plus de ça li mari garçon hein, son mouvement criminel, un mouvement assassin qui a passé en Dominicani. C'est une situation qui est extrêmement grave et en Dominicani que haïtien yo a vive. Alors, nous pour essayer ou si nous t'a parlé ensemble avec yo compatriotes qui trouve le yon nan wanamet pour nous t'avoir connaître effectivement comment situation yé. Et nan wanamet, bon côté
Parce que Wanamet, c'est côté qui recevra un pile immigrant. Et nous gagnons Pasteur Moïse, alors, ingénieur Claude ensemble avec nous. Est-ce que ingénieur l'entendez nous? Ingénieur Claude, comment nous y est? Où est-ce qu'on recevra nous? Allô? Malheureusement, nous n'allons pas recevoir ingénieur Claude, bon mal ouais. Si nous ne passons pas par l'autre moyen, il va monter sous bail là. Ben nous, si nous recevoir ingénieur Claude, et pour nous t'affronti parler de. Voilà. Ingénieur Claude, est-ce que vous recevez nous? Comment nous y est? Oui, nous bien, nous pas plus mal. Bonjour, Efro Berto. Bonjour, Pepe Haïtien. Voilà, je suis content où il est nous et matin pour que nous capables de parler sur la situation qui a développé. Alors, nous avons plus de une semaine là depuis que le président dominicain prend une décision pour côté parler avec le gouvernement. Côté que la l'armée, la police, l'agent d'immigration, Tigele des Haïtiens, et nous avons déporté 10 000 Haïtiens par semaine. Et nous dépassé ce chiffre dans la semaine ça qui s'est passé. Ou même, ou c'est un citoyen responsable, un patriote conséquent. On est qui sensible pour Haïtien pareil ou prouver li c'est pas un bagage que et n'a pas n'importe qui gens ou prouver le Noël et nous respecter ça la caillou nous félicitons pour ça et dis nous non comment Wanamet y est dans moment avec fléau immigrant ça cap débarquer dans Wanamet comment nous recevoir qui côté aller est-ce que comment vous venez est-ce que c'est toute journée camion a débarquer et comment ça y ba notre explication sur situation ça cap développer dans Wanamet jodi et dans moment ça. Bonjour le monde, bonjour Pepe Haïtien, bonjour Efro Berto, bonjour tout auditeur, auditrice, Tech 609, nous saluons tout le monde directement. Bon, c'est un cas qui est vraiment difficile, qui est vraiment humiliant. C'est vrai, jusqu'à présent, l'État paye nous pour qu'on fait OK. Yo ne peut pas présent. Mais dans le moment où la moitié de l'intérim a pour vous, jusqu'à ce que vous venez. Chaque jour, moi, à rencontrer immigrants, et nous pouvons manger pour eux, malgré qu'elle pas qu'à foyer. Hier, m'était ensemble avec Madame Béatrice, nous t'as porté bonbon, nous t'es bail chaque monde, yon enveloppe, nous t'es porté petit jus, nous t'es porté de l'eau, qui pas représenté en rien. Et les nabgades, moun yon pas gué rad pour yon mette, je dis à la map débarqué avec 6 douzaines maillots, et nabgades faire effort pour nous capables bail au kit. Ok, ça veut dire que nous capables de faire des brosses dents, des pâtes, nous faire des savons pour nous baigner, parce que c'est vraiment compliqué, nous avons pile. Mais dans le moment où je parle avant, là, nous avons toute la rue, nous avons un groupe qui est dans l'OIM, tout près de nous, c'est à terre, nous avons dormi, nous n'avons pas aucun côté pour nous capables de dormir, nous n'avons pas de rade. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Dans le moment là, c'est seul moi, nous capable de dire nous qui a kébé ensemble avec nous. Pour matin, là, je arriver. Mais chaque jour, chaque heure de temps, nous gagnons un camion que nous avons. Mais là, nous venons, ce n'est pas parce que nous jouons un accueil. Je crois que seul moi même pas assez. Seul moi même pas capable pour que nous capables de recevoir nous. Même après les mouns, tout côté, tribo pas bon. Même je vais me réveiller dans une grosse émission ça là pour que nous capables de parler de situation. Je vais toujours continuer à réveiller. Et nous demander que pour tout haïtien net qu'on y a là, pour gens ça et là, c'est nous tous net qui humilier. Ce n'est pas seulement immigrants, ou même Captain Demla, moi-même personnellement, ou même Efro Berto, nous te dit celle si nous pas haïtiens, pour que nous pas toucher les situations. Comme nous sommes blessés, nous battons tout. Regardez, nous sommes même vieux odeurs, même vieux stocks qui ont tellement que les choses sont compliquées. Des gens qui ont rad sur eux, qui ont plus que semaine. Eh bien, je dis à nous prenons faire le changer rad, et nous prenons le qui ça nous a fait pour nous capables d'accompagner eux. Nous avons fait deux marches pour nous être capables de jouer une bis. Nous avons fait une trajectoire pour le plateau central, nous avons fait une trajectoire pour la Tibonite. Que chaque côté moun yo rive dans zone la caillou pour yo descendre parce que yo pa gè kòp dan men yo. Mais Dominique, quand même gonjou lap jou, faut que nous capable bal yo réponse et réponse ça son réponse de conscience liée. Depuis que tout haïtien pa ka mette tête yo ensemble, n'a toujours dans situation difficile là. Bagay la vraiment raide, li vraiment exagéré. Nous capables de comprendre les déportés, moun sa yo, nous pas connaît qui ça yo pral vin devenir dans pays a. Et yo pas gè côté pour rete gen yo qui dit yo pas même connaît famille yo. Et puis je dis encore après nous pral recevoir yo nous gè pour nous aller dans l'ONU.
pour yo capable enregistrer moun sa pour nous pour yo capable faire quatre pour yo oui. Parce que yo pas gagne aucun bout de papier dans main yo. Ça veut dire son travail qui dit son travail qui est difficile mais qui pas impossible, faut qu'on capable de volonté, faut qu'on ait cœur, faut qu'on ait détermination pour que nous capable avancer ensemble avec situation. Mais bagay yo vraiment red et faut bientôt. Et bagay en red en pile et Jean Oudou tout bagay là qui est extrêmement important parce que m'tap gade l'on vidéo tout. Gen de haïtien qui vient l'autre bord. Alors, nous capable dit yo t'a supposé dominicain parce que yo pas connait même créole yo pas parler bien. Et yo pa konnen aide Haïti, l'homme de côté sorti yo pa konnen, même famille yo pa konnen, yo levan dominicani, yo grandi dominicani, sauf que yo te tande maman yo c'était haïtien et puis dominicain juste déporté yo. Moun sa yo et comment yo yena wana met, comment ki côté yo logé même parce que vous parlez de en pile moun comme si moun yo. Franchement. Oui, moi tout ça c'est dans OIM là, tout près douane là même yo lagué tout moun yo lagué autant que c'est cabrit. Alors que n'importe monde qui vient après que il a voltigé sur yo, yo grand goût comme si n'importe action qu'a fait dans n'importe qui seconde. Ça veut dire monde ça c'est dans la rue et moi dis ça qui plus difficile c'est parce que grand pile monde qui pas connaît qui côté au pralé. C'est vrai n'a fait de match bis pour nous capable mettre pour yo capable pour monde qui connaît famille yo, à rencontrer famille yo, à retrouver famille yo, mais monde qui pas gagne famille yo, qui pas connaît famille yo, qui pas connaît côté au pralé yo, c'est coup ça qui plus dur. Mais je dis à la nous qui comme mission tant que j'aime dire là, nous pour aller pour nous rester si capable faire pièce pour monde ça yo, mais cependant monde qui responsable exactement côté yo nan OMN nan bon moun sa yo a bay ti panique tout hier nous té obligé faire dire la veille yo les nal pote don faut que c'est exactement c'est moun sa yo même pour yo capable joindre don faut haïtien gè conscience m pa kwè ti bay sa yo pour gè division là nan faut que exactement que immigrant yo capable trouver moun yo nan nécessité nan situation qui tellement compliqué c'est celle sou pas humain pour pas crier c'est celle sou pas humain pour comme si pour être capable de rester à vivre dans le monde. Ça veut dire que je demande pour tout le peuple haïtien en nous mettant tête nous ensemble. Même quand que nous passons dans même bon c'est nous toutes ces mêmes ancêtres pour nous faire seul faire pour nous capable faire mon yo retrouver Kayo et Foberto si au monde qui voulait capable porter coller avec nous pour nous capable mettre gaz dans bis ou bien si on moun gagne un bis li capable voyer pour nous capable faire moun yo aller la caillou yo carrele nous dans 35 65 50 62 ou bien yo carrele dans 41 65 38 87 41 65 38 87 moun nan karele nou si wa fè nou jwenn bis reprenne numéro yo encore reprenne numéro yo encore reprenne encore t'as pris bien OK premier numéro c'est 41 65 38 87 41 65 38 87 ou bien yo karele nan 35 65 50 70 35 65 50 70 depuis nous relé n'a joué nous colo si wap bay gaz si toutefois wap fouete yon bis pour nous il te mette pour yon seul jour relé nous pour nous capable faire coordination pour nous capable avancer jusqu'à ce que l'état pays a vienne prendre engagement parce que on va pas faire toute bagaille faut bientôt. Non, ou pas faire tout bagay, mais ou gen volonté ou pouvez aller. Maintenant, il y a une question qui nous a posé pour aller. Qui ça, parce que qui connaît grand pile autorité politique dans Wanamet, et comment ça y est bon côté autorité politique yo, parce que dès qu'on ouait longtemps Madame Woodling, dès qu'on présent, dès qu'on ouait ancien sénateur Wannick, Pierre, dès qu'on ouait magistrat yo dans Wanamet, et vice-délégué en tant que présent. Pour une personne qui paraît. Encore aucun monde qui paraît. Bon, seul moi en tant qu'homme public, nous t'es capable de dire qui paraît. Moi, c'est Madame Béatrice Soti, Port-au-Prince. Hier, nous commençons à faire un petit don. Je dis à là encore, moi, t'es parlé ensemble avec responsable LPH. Il a envoyé $500 américains pour moi. Et nous t'aidons déjà gagné une quantité de maillot là, c'est bagaille, ça, on va le séparer, je dis à là. Et moi, j'ai plusieurs mouns alors qui ont eu l'homme qui dit, on va le voyer, activité pour moi, pour me faire mal. Moun gros vent, yo. Moun qui get si moun yo. Oh, gagne un pile femme, gagne un pile femme enceinte. Il y a gagne un pile femme enceinte parce que gagne tout. Voilà, gagne un pile. De plusieurs qui ont mouru là, c'est dit, on va le dire. Alors, gagne un pile qui ont mouru là.
gagné près de 6 filles, alors femmes haïtiennes, et qui gagne Timon Soubrayo, qui nous a aidé pour rentrer et d'abord volontairement. Mon ça, c'est des gens qui rentrent avec dignité. Mais pendant que vous en bas, nous pas laisser garder comme nous accompagner et nous pas laisser nous mettre en contact ensemble avec vous pour t'accompagner pour nous. Nous pas garder comme nous jeune de trois amis qui pour continuer à leur supporter nous pour nous faire aider pour nous en bas parce que yo sorti gain qui sorti alors dans département ni bon côté commissaire Miskade en bas gain qui c'est monde kafou ça veut dire que c'est des monde qui impossible pour y aller la caillou pour le moment. Ça veut dire que côté nous fait aller là yo rentré et d'abord si on rentre d'abord ça veut dire que c'est dans département et dans grand nord là obligé loger. Ça veut dire pour loger faut au bon côté et son bail qui difficile moi crois que après émission m'a pas le fait effort pour nous rentrer en contact et en plus tout et pour numéro téléphone nous bailan m'a prendre toutes amis famille plateforme YouTube info beto yo monde qui toujours camper avec nous yo et ingénieur Claude son on monde de bien on monde sérieux son monde qui honnête son monde qui alors qui fait parler de lui nous joindre background monsieur et propre clean. Ça veut dire que son haïtien qui a supporté haïtien pour tout bon. M'a demandé nous rentrer en contact ensemble avec pour nous. Petit coulier, depuis nous toutes nous met tête nous ensemble, nous contribuer monsieur que nous ça aider en pile monde. Et m'a pral parler de l'autre bagarre avec monsieur parce que pour barrière frontière on a maintenant et ingénieur Claude, nous pas besoin parler dans micro, mais n'a pas m'a pris l'autre à l'heure pour me parler bagarre qui est extrêmement important ensemble avec. Oui, nous prêts. Pas de problème. Nous allons prendre la canyon. Oui, avant. Qu'est-ce que là, ingénieur Claude. Voilà, ensemble avec nous, c'était ingénieur Claude depuis dans le département nord-est PIA pour nous. Alors, nous avons fait parler sous la situation qui a développé. Nous avons fait effort pour que yo et campé pour frontière bloquée. Mais, gros problème, barrière dans la frontière là. Pas de barrière. Et pas de barrière, OK? Depuis, pas de barrière, il y a un problème pour que, eh bien, et frontière là. Et lock nan niveau pour lock là frontière qui plus facile pour lock là c'est frontière Belader et puis c'est frontière qui gagne plus activité yo parce que c'est deux gros frontières ça yo qui gagne plus activité c'est frontière et Belader c'est frontière Dahabong c'est frontière ça yo qui c'est gros centre et que Dominique a fait gros business et avec Haïti entre-temps m'a dit donc que bagay la onti gens compliqué bagay la compliqué. Et ça m'a parlé tout à l'heure, c'est sous situation haïtien qui en Dominicanie. Mais t'as commencé tout à l'heure là avec image que m'a décrit pour nous, qui c'est jeune garçon haïtien que Dominique au Kembe, il a kidnappé, il a fermé dans chambre car il a violé. La police dominicaine a fusé haïtien. Dominicain a couru des haïtiens. Haïtien perdit jeu quand il est tombé la caille. Yon citoyen dominicain ça que doit aller koutoul, soit le couper koul ou bien le sacrifier là-dedans. OK? Si immigration entre dans yo prend, yo tout dépatchal, yo tout sacrifier la presse ou prend cadavre li, yo al jetel. Dominicain yo pa di quick. Il y a des zones dominicain crier pour ça, mais il y a des zones tout, yo pa fait rien. Son situation qui extrêmement compliquée. Mais tout d'abord, avant que nous aller plus loin, qui te mette photo ça sous écran. Moi t'ai fait hier, m'a préfère jodi encore. Nous pral font temps sous lui. Hier après-midi, moi t'ai passé yon audio de Gary Pierre Paul Charles qui t'ai senti révolté et me dit bravo avec Gary Pierre Paul Charles, moi que c'est ou même comme journaliste qui pa gen bien Dominicani. Mais qui courage pour prononcer clairement sous situation haïtien yo en Dominicani. Moi t'ai passé dans dernière émission hier après-midi par contre si nous t'étendel. Mais avant que me parler avec tous ça sur écran pendant que nous même tout n'a quitté commentaire nous pral faut attendre intervention Gary Pierre Paul Charles parce que jodi hein c'est tête ensemble que lié c'est retiré. Alors, mettez ego nous de côté, mettez tête nous ensemble pour nous parler pour Haïti. Monsieur, c'est Jocelyn Brivère. C'était ancien directeur général DGI en Haïti. C'est ancien sénateur NIP Miragouane, dans le département côté commissaire Miskadenye. C'est ancien président de la République qui était élu
dans une élection qui était faite dans le Parlement qui aurait l'élection au second degré. Côté que des sénateurs avec députés mettent tête ensemble pour être élu monsieur comme président le Joseph Michel Matéli pas de temps réaliser élection là n'ont écrasé élection sous Matéli en 2014-2015. Citoyen ça c'est les mêmes qui te viennent prendre pouvoir. Il te prend pouvoir pour te faire élection dans environ 120 jours pour te remettre pouvoir. Eh bien, classe politique là, parce que il fait partie de lui, et il décide de travailler pour oligarque corrompu qui c'est ennemi pays d'Haïti, que je vais vous parler de tout à l'heure. Citoyen, ça te passé yon l'année dans tête pays d'Haïti. Dans le moment ça, te gon cyclone qui te vin passer en Haïti, te songe, côté que la Dominicanie te vin voye de support. Non songe ça. Mais qui yon pile ici qui bat jam te au courant, si monsieur, c'était un gros businessman haïtien, un gros businessman haïtien en République Dominicaine. Pas de haïtien qui te gon ça. Monsieur, investi des dizaines de millions de dollars américains dans l'immobilier en République Dominicaine. Ça veut dire que tout cop que M. a broté dans l'État pays d'Haïti, c'est en Dominicani que M. a investi avec Madame Ni. Petite monsieur, madame, monsieur, sans Dominicani. N'a pas songé, si m'a trompé en 2022, petite monsieur marié en Dominicani. Et c'est une grosse autorité dans le gouvernement dominicain qui te parraine le mariage, petit monsieur. TH Lucard de Zantino. Et, citoyen, ça, la vive en République dominicaine et c'est là qu'il y a toute fortune. OK? Eh bien, dans la situation qui a développé, hein, chaque année, ça pose une question. Qui ça a passé? Le dominicain a décidé pour que. Dominique qui a conscience, il a décidé pour parler avec Haïtien. Gary Conny, comme premier ministre, monsieur fait un tweet pour le dénoncer maltraitance, brutalité qu'a fait dans déportation massive que Luis Abinadel et a fait sur Haïtien. Le Gary Conny fin fait tweet là. Yay, monsieur. Gayon Dominicain. Je vais me retirer sans avis sur l'écran toujours pour monter l'image là et poste là. Bon, Dominique qui fait poste ça. Dominique fait poste ça que nous avons gardé sur l'écran. Il va parler tout le monde, continuer à partager la vidéo pour nous. Parce que poste ça, il faut clirer là, il faut nous tendre, il faut nous garder, il faut nous lire. Dans poste là, Dominique traduit espagnol lien en français. Parce qu'il connaît haïtien parler français, nous comprenons français, nous comprenons ça qu'il dit. Gary Conny fait poste là en français. Dominique rassure que. Les mêmes lignes écrit ça la pique en espagnol, il traduit en français et il la gil bao. Dominique a fait nous sentir que si nous disons que nous sommes qui ont une histoire, nous avons côté qui nous sortit, nous sommes peuple qui ont une plus belle histoire, nous avons. Et comme nous comprenons, nous sommes prêts à indépendance, nous. Dominique n'est pas indépendant, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de date, il n'y a pas de histoire. Mais est-ce que c'est parce que il n'y a pas de histoire qui cause organisé comme ça, qui cause vous même décider de faire l'histoire? Faire l'histoire de quelle façon? Vous faites l'histoire quand un pays qui t'a tête plate. Et bien, ils ont décidé de monter pays à notre dimension tête chargée. Ils ont fait l'histoire parce qu'ils ont un pays qui est touriste pas de visiter. Et bien, pour 2023, ils ont recevoir 30 millions de touristes pour année. Tenez bien, oui. Ils ont recevoir plus monde sous toutes plus et touristes que tout habitant qui vivent sous Iléa. Parce que, pas oublier, sous toutes Iléa, il y a environ 22 millions d'habitants qui vivent sous Iléa. Environ 22 millions d'habitants qui vivent sous toutes Iléa. Donc, vous comprenez ça? Environ 22 millions. Ça veut dire que Dominique recevra 30 millions de touristes qui visitent la Cayali pour l'année 2023 seulement. Donc, à comprendre, pour l'année 2024, là, monsieur, que chiffre là, t'as peut-être plus. Mais comme un pile haïtien était fait visiter Dominicani pour le moment, il n'y a pas tellement même gens parce que, avec le programme Biden, haïtien a tellement débarqué aux États-Unis, il a tellement quitté les États-Unis, alors tellement quitté la République Dominicaine pour rentrer dans le pays Mexique, ça veut dire que haïtien a manqué de voyage. Mais quelque part, et pas l'antigène compliqué. Bon, dis donc que Dominicains comprennent nous. Ils ne nous pas respecter tête nous. Ils ne respectent pas nous. Ils ne respectent pas nous. Et ils ne nous tolérer
dirigeants politiques qui ont volé. Et ça qui cause Dominique, décider pour qu'ils humilient nous dans la dimension et humilier nous. Et je comprends ça très bien. Et me dit, genre de situation ça, si nous continuons à quitter là, toujours comme peuple, nous vivons mal. Nous ne pouvons vivre dans le monde. Et m'espérer que nous comprenons la nécessité qui gagne pour que nous prenions des dispositions pour nous bailler des réponses proportionnelles par rapport avec genre de situation ça. Mais si vous pas sérieux, vous pas un même pays, vous pouvez que vous pas un Haïti. Moi-même, moi décide pour que moi mette photo citoyen ça sous écran. Monsieur c'est Jocelyn Brivère. J'aime d'abord dire tout à l'heure, monsieur c'est un homme d'affaires haïtien qui a investi des dizaines de, alors qui investit déjà des dizaines de millions de dollars américains en République dominicaine. Monsieur c'est un gros homme d'affaires. OK? Ministre agriculture dominicain, c'est associé monsieur parce que monsieur investit dans le secteur agricole en Dominicanito. Imaginez-vous. Yon a qui était sénateur dans le pays d'Haïti. Yon a qui était président dans le pays d'Haïti. Yon a qui fait coup de maltaille complot avec la famille Vob avec et madame Brival. Yon fait la famille Vob gagner un contrat dans l'état qui c'est 12 millions plus 8 millions de dollars, fait 20 millions de dollars américains. Michel comptable en chef dans Sogener comme monsieur a touché à c'était 350 000 dollars américains chaque mois. Comme pas là, 350 000 dollars américains chaque mois. Madame Brival te gagné 950 000 dollars américains, salaire madame Brival te. Brival lui même comme pas là, c'est ton deal qu'il te chiffre pas de cas public. Mais nèg yo t'a touché pour lui et c'est comme ça l'a demandé. Après le quitter pouvoir, qui cause ouais, Brival pas là encore. Brival pas malade pour le battre là. Mais si Jovenel Moïse était vivant, ou t'a demandé le côté autopsie cadavre, vrai autopsie cadavre, président Brival là, président Jovenel Moïse t'a bon til ancien. Et comme il y a des gens qui connaissent le dossier et qui présent cap vive, monsieur que yon jou koujou di ya, y a va ba on til ancien. Eh bien, avant que nous parlions de tout ça qui sous écran, qui sont multimillionnaires haïtiens qui investi en Dominicanie, qui décident de détruire Haïti pour investir pour construire la Dominicanie, en entendant un journaliste haïtien, non, c'est Gary Pierre-Paul Charles, qui pral fait un petit parler sous vidéo ça que m'tap décrit pour nous dès le départ là, dans l'émission. Gary Pierre-Paul Charles, jeune vidéo. Vidéo côté a violé jeune garçon haïtien. En entendant Gary qui a parlé avec eux. Mais que m'pral dit Gary au bagage qui est extrêmement important pour nous, sans que m'pral dit le bagage qui doule. Entendez. Oh, Davidson. Bonjour à pays. M'te gagné en pile force à courage avant que je commence l'émission et pendant que j'ai préparé l'émission depuis hier. Scoop! Je viens très tôt. Je fais un échange avec Juan. Scoop. Et puis pendant ma fait échange, mon photo, mon image qui paraît sur l'écran. Et puis moi, c'est un citoyen haïtien que Dominicain a violé. A violé, garçon haïtien. Moi, dis-moi, pas des misères que nous avons passées. En terre voisine, et nous pas même capables de diriger le pays. C'est nous-mêmes haïtiens qui devons diriger le pays. Nous devons faire effort pour haïtiens capables de vivre en Haïti. Très bien. Nous avons gardé le mode d'opération politique qui gagne en Haïti, nous quoi nous fait commencer dans problème avec qualité politicien ça où nous gagne qui réduit notre peau de chagrin, qui mettait nos genoux et qui tuait une fois de plus l'empereur. Scoop. Depuis des décennies, Haïti a été trahi
par ses propres fils et filles. Scoop. Ceux qui ont pillé les ressources de notre nation pour ensuite fuir et vivre confortablement en République dominicaine. Ces politiciens et membres du secteur privé des affaires, après avoir détruit notre pays, se sont installés de l'autre côté de la frontière, laissant derrière eux, Davidson, un pays en ruine. Ces élites qui ont profité de leur position pour s'enrichir ont armé des gangs et orchestré des actes de violence pour maintenir leur pouvoir. Ils ont signé des contrats. Des contrats bidons, détourner des fonds publics et utiliser des prête-noms pour cacher leur fortune. Et maintenant, ils vivent en toute tranquillité en République dominicaine, loin des conséquences de leur action. Nous sommes neuf au pouvoir parce que nous ne pouvons pas avoir un président, une fraction de neuf. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité et l'inefficacité de notre système politique. Les élites politiques, qu'elles viennent de la province ou de Port-au-Prince, ont échoué à apporter des changements positifs pour changer pays ça, pour faire ça au capable, pour nous-mêmes, nous capables de vivre comme monde, comme citoyen. Elles ont plongé notre pays dans le chaos et la misère. Ce matin, nous faisons appel à tous les Haïtiens, où qu'ils se trouvent, dans le monde, à se mobiliser pour répondre à cette crise. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, mais de dignité humaine et de respect des droits fondamentaux. Nous devons dénoncer ces actes inhumains et exiger des actions concrètes pour protéger nos citoyens. La prise de conscience de nos politiciens et de la société est fondamentale. Il est temps de cesser les querelles internes et de se concentrer sur les véritables enjeux. Chaque Haïtien doit se sentir concerné par cette situation et agir en conséquence. Les politiciens doivent mettre de côté leurs intérêts personnels et travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Nous lançons un appel urgent à tous les Haïtiens, en particulier à ceux qui ne sont pas des espions ou des employés de Luis Abinader, à se mobiliser partout dans le monde. Il est temps de donner une réponse forte et unie à ce fasciste. Nous devons organiser des manifestations pacifiques, des campagnes de sensibilisation et utiliser toute la plateforme disponible pour faire entendre notre voix. La communauté internationale doit être alertée de la gravité de cette situation. Bien que nous devions nous organiser pour accueillir dignement nos frères et sœurs rapatriés, il est tout aussi important de montrer notre solidarité et notre détermination à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue.
il est impératif que nous réagissions de manière collective et coordonnée pour mettre fin à ces violences. Scoop. Il est également important, et je le redis, de souligner que de nombreux Haïtiens qui ont été au pouvoir en Haïti ont pillé les caisses de l'État et investi l'argent détourné en terre voisine. En République dominicaine. Ils sont incapables aujourd'hui. Ils sont incapables de dénoncer publiquement les autorités dominicaines de peur d'être déportés et de perdre leurs biens. Pourtant, ils critiquent à U et à Dia toutes les autorités haïtiennes. Voleur. Comme s'ils avaient bien dirigé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont assassiné le caractère président Jovenel Moïse. Ils ont dit Jovenel Moïse, c'est criminel, c'est tel bagaille. Ils ont crasé le pays à net jusqu'à ce que ils ont entré dans la chambre de la Kali, ils ont assassiné. Et puis Jocelyn Brivère a bré bon du vin en Dominicanie. L'a volé sous dos garçon, garçon a volé sous dos la Dominicanie parce que son massif si criminel que lié. Eh bien, nek sa ou fou détruit avenir jeunesse. Kade et ta vie cadavre politique gâté, kap détruit avenir jeune ti mesdames nou yo, jeune garçon nou yo, force de travail nou yo, comme si paquet de jeune garçon kap péri en Dominicanie. Ou paquet de jeune garçon plus passé 300 000 haïtiens kap travail dans construction. Plus passé 300 000 haïtiens kap travail dans construction en Dominicanie. Qui est-ce qui détruit yo? Yo te karite nan pays d'Haïti, force de travail, ça nous pas la perdre. C'est nèg politique sa yo qui fout détruire. C'est nèg politique sa yo qui finit avec avenir jeunesse là. Je dis est-ce que n'a pas capable camper pour n'a pas garder nèg sa yo dans yeux? Faut que nous mettions yo sur la place publique pour que peuple la connaît mais qui est politicien qui fout détruire. Surtout ça qui vit en Dominicani yo, qui investit comme en Dominicani. Nous n'aimons pas prendre tout, nous n'aimons prendre ça exactement, qui vivent en Dominicanie, qui investissent tout l'argent que vous volez dans le pays en Dominicanie. Il a fait la Dominicanie belle et puis il a crasé Haïti. Mais yo, mais ta cadavre politique là. Qui t'a commenté pour lui, non, mes amis? Parle avec nous, pas moi qui m'a dit ça. Il y a problème, laissez-moi qui m'a dit de faire commenter, oui. Je ne pas senti nous faire avec tout que nous. Je suis supposé qui t'a commenté pour nous parler avec elle, mais laissez-moi qui m'a dit nous lire. Je senti que commenter pas sur nous. On t'a dégagé pour le Charles parce que, franchement, c'est grave. Parce que nous ne pouvons pas avoir. Un président, une fraction de neuf. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité et l'inefficacité de notre système politique. Les élites politiques, qu'elles viennent de la province ou de Port-au-Prince, ont échoué à apporter des changements positifs pour changer pays ça, pour faire ça au capable, pour nous-mêmes, nous capables vivre comme un monde, comme un citoyen. Elles ont plongé notre pays dans le chaos et la misère. Ce matin, nous faisons appel à tous les Haïtiens, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser pour répondre à cette crise. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, mais de dignité humaine et de respect des droits fondamentaux. Nous devons dénoncer ces actes inhumains et exiger des actions concrètes pour protéger nos citoyens. La prise de conscience de nos politiciens et de la société est fondamentale. Il est temps de cesser les querelles internes et de se concentrer sur les véritables enjeux. Chaque Haïtien doit se sentir concerné par cette situation et agir en conséquence. Les politiciens doivent mettre de côté leurs intérêts personnels et travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Nous lançons un appel urgent à tous les Haïtiens, en particulier à ceux qui ne sont pas des espions ou des employés de Luis Abinader. Effectivement. À se mobiliser partout dans le monde. Il est temps de donner une réponse forte et unie à ce fasciste.
nous devons organiser des manifestations pacifiques, des campagnes de sensibilisation et utiliser toute la plateforme disponible pour faire entendre notre voix. Très bien. Scoop. La communauté internationale doit être alertée de la gravité de cette situation. Scoop. Bien que nous devions nous organiser pour accueillir dignement nos frères et sœurs rapatriés, il est tout aussi important de montrer notre solidarité et notre détermination à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. Il est impératif que nous réagissions de manière collective et coordonnée pour mettre fin à cette violence. Il est également important, et je le redis, de souligner que de nombreux Haïtiens qui ont été au pouvoir en Haïti ont pillé les caisses de l'État et investi l'argent détourné en terre voisine. Ils sont incapables aujourd'hui. Ils sont incapables de dénoncer publiquement les autorités dominicaines de peur d'être déportés et de perdre leurs biens. Pourtant, ils critiquent à U et à Dia toutes les autorités haïtiennes. Comme s'ils avaient bien dirigé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Pour la plupart, ils ne sont que des espions de la République dominicaine. Et leur silence complice ne fait que qu'aggraver la situation. Il est temps pour nous, grâce à Impasse, de nous unir et de lutter contre cette situation inacceptable. Nous ne pouvons plus, nous autres, rester silencieux face à ces violations des droits humains. Ensemble, nous pouvons faire la différence et protéger les droits et la dignité de nos compatriotes. Ce matin, pour faire le point sur cette problématique, nous recevons à Impasse Yves-Marie Chanel, journaliste entrepreneur, Jean-Harry Seyant, expert en télécommunication, quelqu'un qui a vécu pendant un certain nombre de temps en République dominicaine, qui connaît Guichen Bagay où t'es passé. Jean-Michel Lapin, ancien premier ministre, qui est contexte pour dénoncer le comportement du pouvoir dominicain et spécialement de Abinader. Et nous allons parler également avec... Alors, toujours gagné. Monsieur... Florian Nicholson, monsieur son ancien diplomate, qu'on pas 4 minutes à déporter, c'est monsieur tellement battu, monsieur a pas intervenu, mais c'est quelqu'un qui a été révoqué, mais qui est toujours en République dominicaine et qui maîtrise le système. Donc, nous pourrons parler matin, mais n'a dit à autorité pays, qui est-ce dans CPTA qui a condamné? Ça fait haïtien. Pas une personne qui a fait. Au Adam. Nom de CPTA. Pas une personne qui a fait. Bon voler. Sous pas capable. Retirer condamner. Baille talon. Même si vous avez problème, c'est l'autre bois pour aller prendre soin. C'est wow. J'exige ce matin une note de condamnation du CPTA. Sinon, ils peuvent démissionner. Ils doivent partir. Nous n'avons plus besoin de ces esclaves au pouvoir. De ces hommes de sac et de pacotille. Ou gen la boue dans pied ou gen la boue dans bouche ou pas capable de défendre peuple haïtien. Partez, laissez le pays. Bonjour. Merci en pile, c'était Gary Pepol Charles. M'étais content pour que m'étais passé intervention Gary Pepol Charles là parce que m'estimais que m'étais dû passer et monsieur dit de bagarre qui est extrêmement important. On d'accord avec et l'autre bagarre que m'a dit non qui est très intéressant pour que nous capable avancer dans cadre mission ça, c'est que Haïti a vive yon situation qui très très critique. Côté que petite Haïti, petite terre, décide de détruire ça.
Et c'est nèg qui a fait politique yo qui a détruit Haïti. Dans tous les pays du monde, yo toujours dit la politique donne le temps. En Haïti, mais nèg yo utilisé la politique pour que yo détruit la société. Parce que façon moun ki pou ta a fait politique a utilisé et secteur ça pour aider peuple à se valik dans place li. Mais c'est des nèg qui utilisent la violence, Jacques Garidi, hein, armé de groupe et jeunes garçons avec zam alimenté yo pour yo ka toujours qu'un bon spirale de violence dans pays a, un chaos politique, une instabilité politique, insécurité généralisée pour ces nèg ça qui ka toujours été au pouvoir. Et Aïssa victime chaque jour en Dominicaine. Commencement, n'a pas que Gary parlait sous même lancé que nous avons commencé l'émission. Les parlait de Haïtien ça, un citoyen haïtien, un jeune garçon haïtien, que Dominique yo kembe yo kidnappé, yo ferme l'en côté, yo déshabillé, il mettait le toutouni, ok? Yo mettait le toutouni, et puis, nèg yo a violé un garçon. Six garçons dominicains kembe, y a violé sans humiliation. Image là indien. Et m'a regardé, me senti en dedans m'a brachim. Pour me dire monsieur, n'importe haïtien capable victime ça en Dominicani. N'importe haïtien. Et c'est des crimes contre l'humanité. C'est suite avec une décision politique que président dominicain prend et puis li passé l'ordre avec immigration dominicain, li changé directeur général immigration, li mette yon nèg ki m'te di nou ki fragile en pile. Monsieur s'est touyé, monsieur touyé haïtien dominicain. Nèg yo tué yon citoyen haïtien. Pa moi si moi vidéo a, m'te ka peut-être montrer une vidéo a parce que li grave en pile. Nèg yo tué yon citoyen haïtien. Nèg yo fin pran monsieur sou yon motocyclette. Et puis, yon vide monsieur à terre. Et ben moi, peut-être c'est sous téléphone ça. Gen des images, m'oblige à montrer, non? C'est pas faute, moi m'oblige à montrer, non, yo. Voilà, mais gen, moi gen image là. M'oblige à montrer, non? Yon crime contre l'humanité qui fait sous yon haïtien. Que nèg yon prend devant la cale. Yon personnage haïtien. M'oblige à montrer que nèg yon tout yon haïtien facile. Et monsieur mouri sous place. Parce que non seulement nèg yo levé monsieur frappé monsieur à tête monsieur frappé autant de tête monsieur fait corps à terre sous béton. Bam passer image là pour nous parce que nous même nous pral décrire ça m'a dit nous pral ouais ça m'a dit nous. OK? Nous pral ouais ça m'a dit nous. Il est très important pour que nous garder. Et nous pral garder image ça parce que il est vraiment terrible. OK? Il est vraiment terrible, nous devons garder image ça. Va le mettre pour nous sous écran. Va le mettre sous écran pour nous. OK? Va le montrer qui Jean Dominicain parler avec responsable yo et puis par la suite pour qui Jean le passer à l'action. Va le montrer nos crimes ça comment haïtien dominicain facile pour tout haïtien et puis pour moi haïtien décider rester toujours l'autre bord monsieur surtout pour haïtien en construction yo. Ça me connaît c'est nous même qui en premier qui victime non. Me croit nous cartonner nous doit tourner. OK, mais image là. Va le montrer nous crime ça pour Jean Dominique qui font crime sur haïtien. Ou après monsieur pour parler, ben mettre son là dans tout ça. M'a recommencer lui. M'a pas grandi image là pour nous capable comprendre bien ça m'a dit nous. OK, m'a comme ça m'a pensé que m'a pas grandi image là plus. OK, ben moi ralentir mettre sur côté plus. OK. Ben moi font petit ouvert ça toujours. Peut-être n'a pas plus bagay. Voilà. Parce que ça, il y a assez. Voilà. Il y a assez. OK? Bon, c'est nous bon là. OK. Maintenant, on allait dans l'image là. Nous prenons le temps de. Et n'a pas gardé l'image là. Peut-être pour. Gapil haïtien, gapil dominicain qui sont côté qui a parlé, qui dominicain qui a parlé. Nous prenons le temps de intervention. Et puis, n'a pas gardé l'action qui a fait là. Nous prenons le commandé pour tout haïtien rapide. Je prends monsieur devant la cali, je vais le tuer monsieur sur les champs. On regarde ça. Un crime. Je vais regarder ça en vérité, mon Dieu, je me sens pas mon. On regarde. Regardez ça. Et puis partagez-le avec vos amis.
partner ça avec téléphone il va le tuer monsieur. Mais ouais. Il va le tuer monsieur. Parce que monsieur Benny, voilà ouais. Il va le tuer monsieur Benny. Ou pas la fleur va frapper à terre Benny. Benny, ouais. Benny, il va lever le frappe à terre. La va frapper tête la tête puis ça pose sous place Benny. Benny. Benny, 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 avant qu'on va aller la piquer là. Benny. Wow. Damn. Grand mari, il est grand. Oui, vous pouvez faire quoi tomber. Benny. Benny, où allez. Un coup de pied. Monsieur va battre encore. Monsieur va battre encore. Damn. Après bagay là, monsieur, je me sentis tout sam. Oh my god, my god. Pas carré passer image là non, on va nous garder reste là seulement même pas carré passer parce que action côté que monsieur frappe tête nèg la terre, on va pas passer. Benny. Ouais, monsieur mon oui. Et qui t'aime dire là que c'est qui toi ici? Monsieur mon oui. On sait belle là, yo monsieur tellement mouri mal, yo prend cadavre là, yo tout mettre sur moto parce qu'il il pas battre encore. Il pas battre encore. Tête fin frappé sur le béton, il prend le lever et puis il prend tête là encore, il a conseillé des coups de pied dans tête li, et tête la frappe avec le bout de béton à terre. Mais comme un nègre criminel. Benny. Kayla! Toma! Benny, où est-ce? Benny, il n'est pas battu. Tu vois la cadavre là. Tu vois la cadavre. Benny, où est-ce? Tu prends le cadavre là. Tu as fait le cadavre là. Benny, tu mets la mitaine moto. Où est-ce que tu fais? Tu es extrêmement intelligent. Quand tu prends le cadavre là, tu vas le faire là, tu vas la terre. Tu vas la terre. C'est fini. Là, elle commence à sentir l'ambulance dominicaine vient prendre, après elle prend le restant, elle jette l'autre côté. Nene, ils sont à regarder sur l'écran. C'est ça. Je vais regarder l'image là parce que le terre, il m'a pile, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Nene, Jocelyn Briver. Sous des gonti cale conscience, monsieur, que vous avez regardé l'image ça et vous avez besoin de bagaille. Sous des gonti cale conscience, monsieur, que vous avez regardé l'image ça, et vous avez dit tête en bagaille. OK? Parce que l'image est terrible. L'image est terrible. Et c'est des crimes contre l'humanité. C'est méchanceté. Dominique Eiffel, parce que tout simplement, il y a un support président. Il y a un support. Il y a un support. Pour crime dans fête dans niveau la fête là. Mais maintenant, après toute pression que nous mettons, ben mettons l'autre cadavre politique sur l'écran toujours, ça c'est un nèg encore, un investisseur haïtien qui vive en Dominicanie. Il était premier ministre en Haïti, OK? Il c'est Jean Risséan. Il a investi des dizaines de millions de dollars américains en Dominicanie. L'argent que yo cassé coupé ça, yo boté dans l'état. Nèg yo a vive bien en Dominicanie. Ou pas prendre la cob là c'est. Ou pas prendre la cob là. On quitter le pour petite fille là, bon bref. Qui peut être pas responsable. Qui peut être pour vivre bien de l'argent ça. Mais ou même on le bon Dieu dans ciel là. A peut-être prend tête tout. Faut font machine en Haïti, faut fonder ça en Haïti pour faire une machine pour compte tout. Et puis pour 500 haïtiens, tu vas rencontrer ensemble avec eux pour dire notaire séan. Notaire de la République, ancien PM. Qui ça nous fait? Pour qui ça même c'est comme ça nous choisi et fonctionner. Et pour peuple là, fait exactement ça que mon canapé vert te fait sous ti monsieur ti macaquio. 23, 24, 25, 26, 27 avril 2023.
C'est même bagarre là tout nous souhaiter que pour peuple là joigne Jocelyn Brivert pour peuple a fait exactement ça il t'ai fait 23 24 25 26 avril 2023 dans canapé vert. Ça a été bail porter nom BK. Ça a été bail porter nom BK. OK? Bon, l'autre image là, m'pa ka mettre image côté a violé haïtien. Mais m'a li sur téléphone là. M'pa senti m'ka passer. M'pa senti m'ba même garder m'ba garder parce que m'pa ka wè franchement m'pa ka wè nèg yo a violon garçon. M'pa ka imagine ou bagay comme ça. Pour garçon a violé un garçon. M'pa ka imagine ou bagay comme ça. OK? Et c'est le bagay qui terrible ça qui a passé là. Li extrêmement grave mais par conséquent il y a un pile haïtien jusqu'à maintenant qui décide de cacher dans coin les dominicains junior l'a tué yo au lieu que yo prend direction pays moi me dis yo que yo prend direction pays yo que yo prend direction la caillou. OK, que yo prend direction la caillou. Plus nous rete c'est plus n'a victime que nous prend direction la caillou. Haïtien victime dominicain capture haïtien. Toute qualité que m'a fait, gardez un dame là. C'est une dame qui prend immigration couille de elle, selon l'information qui t'a saut tombé. Qui t'a saut tombé, mais qui est là, mais y a lié. Ils sont en cadre, ils prennent l'hôpital. Mene. Et on haïtienne, mene. On dame, ils gros en pile, mene. Ils sont en cadre, ils prennent l'hôpital avec elle. Parce que me dit haïtien yo, n'importe qui, j'ai depuis une possibilité pour nous filmer un petit cal et vidéo seulement filmer pas kembe pas comme si pas kembe image pour nous filmer tout petit bagage filmer tout petit bagage net qu'on ait et puis partager avec nos amis sur WhatsApp pour et puis nous même n'a jeune n'a passé le beau parce que image je voulais dire un pile bagage. OK, image je voulais dire en pile bagaille. Même conseil des zones moi haïtien vivant en Dominicani en vérité bon Dieu que nous vivons en Haïti. Que nous vivons en Haïti. Que nous prenons direction Haïti nous vivons. Au lieu que pour nous mener vie ça moi n'a vivre tant que bête en Dominicani. Que nous tourner la caillou. Et voilà, en pile monde voyait ti vidéo ti jeune homme nan ba moi que Dominique a assassiné matin son ti monde monsieur prend balle dans dos c'est pour balle dans dos wow. La photo ça vidéo ça Maria là ça son haïtien dans bon la cara il y a des policiers qui ça courir venir yo ba mission ba deux dans dos donc il y avait nous même haïtien qui prend la ria fait pour dans. OK, ayo ba doucement non 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 là. Et vous courir na yo ti o men. Voilà. Mais attendez, nous tendez ça et jeune homme n'a dit. Alors ces vidéos am pa ka ban ouais, mais si que nous besoin, on ka toujours partager la avec nous et sur WhatsApp. Nous tendez, on monde ka filmer monsieur. Attendez, bon attendez moi. On ka ban ouais ça. C'est la vie. Monsieur. Ah, vérité. Politicien haïtien. Ouais, moi-même, chérie, même pas de document. Pas d'apprécié. Ouais, non, ou l'en y a capi, déjà ça a peine passé là. Ça n'a 20 minutes, de pas vrai? 20 minutes. Des haïtiens qui ont des policiers sous moto, ils ont couru, mais côté, ils ont là, on a touché dans le dos. On a touché, mais c'est un petit souffle, ils ont couru. On a beaucoup mouru. Et bon, peut-être, si tu es arrivé à l'hôpital avec elle, il était qu'à sauver. Il a beaucoup mouru, mais l'autre image qui vous voyez, c'est côté le couche à terre, il est monsieur. Parce que tout le cartouche est en train de dormir, monsieur. Tout le cartouche est en train de dormir, monsieur. Et parce que ça, je vous avoue, je ne pas tout dans la domicile, je ne tout même côté. Comme je ne pas vraiment qu'on zam, et je ne pas tout dans la domicile, c'est après, je viens de dire moins clairement, ça va pas coûter couteau. Mais son bal qui est dominicain au bail. Et haïtien son cartouche au balle dans dos cartouche 12 on balle 12 yo balle dans dos et puis plon yo gaillé et plon yo gaillé et puis et en haïtien c'est dans dos yo balle cartouche là
Alors, vraiment désolé. Et pour genre de image ça aujourd'hui, hein. Monsieur que c'est pas de genre d'émission ça qui nous te souhaité que n'a fait ensemble aujourd'hui, hein. Mais par conséquent, c'est une situation qui permet nous ça, nous faire les, c'est pas faute nous faire ensemble avoir comme ça et pour aujourd'hui. Hein. Et hier, gagnant Dominique au fond bagarre hier. Que nous devons faire parler sur les taux. Qui ça va gagner? Gagner Leslie Voltaire. Côté Leslie Voltaire, petit chinois. Côté lié là, bon Dieu, femme d'âge, monsieur. Femme d'Améthélie, Leslie Voltaire. Et Leslie Voltaire, ok. Mais Leslie Voltaire. C'est les mêmes qui vous présentent famille Lavalas dans le conseil présidentiel là. Et mes citoyens, ça. Et le fait que ça passe deux mois, presque deux mois à Dominicani, 50 jours, il va le manquer à 50 à 52 jours. À Dominicani, que tu as pris soin dans l'hôpital, qui est l'hôpital Holmes dans Santiago de los Caballeros. Eh bien, monsieur, tu es toujours malade dedans. J'aime dire non. C'était toujours en Dominicani que monsieur a pris soin. Et il est bien en Dominicani tout. Ça veut dire qu'il est censé rester en Dominicani. Il est bien en Dominicani. C'est là, monsieur, sur médecin. Médecin, monsieur, c'est en Dominicani, c'est au Dominicain. Depuis 2021, c'est là que monsieur toujours à l'hôpital régulièrement. Parce que ça, monsieur, gagne comme cancer là, c'est fini la fin avec un dame, monsieur. Qui est-ce qui vient président, conseil présidentiel pour le moment? C'est doyen ça. Imaginez. Imaginez un bagay. Qui est-ce qui vient président, conseil présidentiel? On a parlé là, c'est doyen ça. Faut calcul. Imaginez un bagay. Eh bien, Aïssap mette pression pour que l'État haïtien baille une réponse proportionnelle par rapport avec ça Abinadel prend comme décision. Ou bien ça Abinadel fait haïtien. Première réponse là, tout haïtien parle de fermer frontière avec la Dominicanie dans les médias, ok, qui pral gon impact direct sur l'économie dominicaine et que peuple dominicain pour lever dans quoi Abinadel secteur construction dominicani a bloqué moun k'ap travay nan chan yo pa ka travay pou la dominicain pral gâté pou la mouri kode n'ap mouri kabrit ap mouri bœuf pral mouri et ben tout ça que dominicain gagné nan investi dans secteur agricole pral perdu depuis nous fermé fonte là dans mosque un mois ou après impact la fait direct et ben kounya ça k passé messieurs qui dans secteur privé dans pays d'Haïti yo yo investi dans secteur ça en Dominicani. Qui est-ce qui goumè pour mettre conseil présidentiel la transition sans camper ça? C'est monsieur coulève cette tête yo. Ça qui passé, c'est via un coup d'état assassinat que yo fait, yo paye yo financer qui sous Jovenel Moïse en 2021, nèg yo mette Ariel fait 3 ans après que Ariel pas chambre capable prendre décision contre la Dominicani. Avec toute sa bidale l'a fait. Ou après monsieur ça vinn là, yo pas ka dire rien. Yo pas ka dire rien non? Il n'y a pas qu'à faire rien. Monsieur Paka fait une autre sortie pour condamner ça. Ça qui passe? Lui prend soin Dominicani, médecin monsieur c'est Dominicain, et bien monsieur décide lui-même, parce qu'il n'y a pas qu'à faire rien qu'on a ça le fait. De manière stratégique, lui convoque tout corps diplomatique là, lui invite à une réunion, ou une ville d'accueil là, pour le faire un parler avec eux, sous situation, et haïtien, immigrant haïtien. Eh bien, tout ambassadeur yo vini, ou représentant la République dominicaine en Haïti a pas venu. Ça veut dire qu'ambassade pays qui pipiti, ambassade petit pays qui n'a pas eu l'an pas décidé de venir. Ça passe parce que le connaît que, laissez mettre que ou prend soin la kaili ou pas qu'après décision contre lui. Et bien dans sens ça, jodi an, c'est 11 octobre 2024. Lundi cap, ben moi, lundi ap 13, c'est ça? 11, jodi an vendredi. Demain samedi 12, dimanche 13, lundi 14. OK. Lundi 14, Haïtien nan Belader a frappé. Besap a défilé. Et nous décidé accompagner yo. Wanamet, peuple a dit pas bay vague. Mais 17 octobre, pas poser une question. Qui sa quoi le guerre? Pas poser une question. Qui sait pas le passé?
17 octobre 2024. Pas poser une question. Ce qui s'est pas passé. Yeah. 17 octobre. 17 octobre, quand vient là. Faites attention. Destez en la main comme peuple. Assumez responsabilité comme peuple. Engagement en la main comme peuple. Prenez responsabilité comme peuple. Situation à vivre là comme peuple. Ou pas qu'à continuer à vivre là dans le toujours. C'est monsieur ça qui décide de l'État pays en otage pour qu'on ne va jamais jouer dans la vie meilleure. Et bien, ça aussi des agents doubles que vous avez. Vous travaillez pour la Dominicanie. Vous avez au cas en Dominicanie. Vous avez à l'hôpital pour prendre soin en Dominicanie. Défaite Haïti a détruit avec M. Sayo. Dans ce sens, à 17 octobre, Jacques général en chef révolution qui se commandant de Philippe Diel. Je demande à tout policier qui sous territoire national, là, monsieur, pas faire peuple en rien temps pour y souple. Si nous pas que moun, nous mettons attaquer peuple là. Et peuple là, lui-même la prend décision, la prend ensemble avec nous. Si nous ériger tête nous en véritable tchoul pour nous tuer peuple ça, l'histoire prend note. Et la gérer ça ensemble avec nous, non tant qu'il pas trop coûte. Mais espérez que policier, la police nationale d'Haïti, sa peuple pral faire la bon pour nous. Son pays que nous pral prendre pour nous mettre des dirigeants qui sérieux, qui honnêtes dans tête li. Peuple souverain, capable faire. Yo kembe trois nan exa ou nan volo, nan braque yon banque. Monsieur rallié l'ensemble avec yo pour supporter pour livrer dans tête conseil là. De fait trois volo yo en dans conseil là. Ça veut dire que nous censé gen 9 volo là. Gary Koni pas gen courage pour que le camper fasse texte yo pour le craser conseil là. Même lui peur parce que tout nèg yo remet job. Yo pas ka prendre décision nan plus haut niveau dans l'état pour yo bay la Dominicanie yon réponse pour condamner fermement. Ça qui a passé. De fait, alors bien que Gary Koni fait intervention, ministre affaires étrangères fait intervention, on dit oh, bravo, mais par conséquent, c'est pas ça qui est important. C'est 10 peuples là, moi ba nous l'ordre pour nous fermer frontière Haïti avec la Dominicanie. Jusqu'à nouvel ordre. Docteur Gary Koni, et ça pour monsieur dit. Pour Gary Koni monter, pour le dire peuple haïtien. En attendant que le problème ne résout, moi passer nous l'ordre pour nous fermer toute frontière Haïti gain avec la Dominicanie. Et puis mandé tout agent BESAP accompagner population dans le camp bon frontière là. Docteur Gary Koni, sous ka faire coup politique ça me garantit ou bingo. Ou fait gol. On poule publiquement que m'baou. Gary Koni, sous ka faire coup politique ça, mandé peuple souverain pour que li camper dans la barrière frontière, on le ferme sans que ne pas faire violence. Et puis sécuriser frontière. Pas quitter rien. Rentrer sur le territoire jusqu'à nouvel ordre. Je garantis au docteur Gary Koni, coup politique, ça de pour faire ou sauver la patrie. Ou sauver le pays. Docteur Gary Koni. Et pour que courage, pour que nous grenons coup politique, ça, je garantis ou faire gol. Ou a fait gol. Ou a fait gol. OK? Je garantis ou a fait gol. De vous kabaye coup politique ça. Je garantis ou. Ou a fait gol. Et puis ou capable. OK? Et puis ou capable camper pour dire peuple là moi supporter et me passer la police l'ordre comme chef CSPN pour que vous sécurisez frontière avec la Haïti avec la Dominicanie pour que frontière là rete fermée pas quitter un ping rentrer sous frontière là jusqu'à nouvel ordre moi garantis nous peuple haïtien Gary Koni t'a fait gol mais comme moi connais Gary Koni pas qu'à faire déclaration ça parce que nèg yo remet pouvoir yo décider rete au pouvoir et même m'a demandé avec tout haïtien qui vivent dans le plateau central. On nous prend décision ça pour que nous ba dernier goutte d'eau
17 octobre. 17 octobre, c'est une date historique. C'est une date historique que, dans pile nan non, peut-être, situation pays non, façon que politique la fonctionne dans pays non, l'école yo, yo fait que nous pas focus sur ça. Jeunesse là, vin pas focus sur ça. Si moun ki nan 20 ans actuellement là, qui a peine dans 20 ans, pas ba importance avec date ça yo, c'est pas faute yo, c'est l'état pays yo qui traîne yo là. Parce que, jeune jodi an, li très important pour que, naturellement, pour nous commencer à faire timoun yo, qu'on ait date ça aussi des dates extrêmement importantes pour yo. Et, on regarde les États-Unis, Amérique pas joué avec date ça yo. Il pas joué avec date ça yo, et c'est date qui gagne pile importance dans yeux yo. OK? C'est des dates qui gagne pile en pile importance dans yeux yo. Faut ne pas jouer avec date ça yo. Et c'est très intéressant pour que nous et protéger date ça yo parce que c'est date pas nous qui yo. OK? C'est date pas nous qui yo, nous devons rester pour que les dates arrivent, nous le protéger et date ça. M'a dit nous prend pile précaution, organiser nous pour que nous capables connaît que et pays a des gens qui te fait sacrifice, il y a des dates qui extrêmement important. Respecter date ça, c'est dire que respecter moun sa yo qui te fait sacrifice pour te bon pays ça. Et il est très intéressant pour nous. Et écoutez. Et ambassadeur dominicain dans pays d'Haïti a décidé lui-même de propre gré pour que alors il prend décision pour alors c'est monsieur que c'est président qui balait l'ordre là. Si que et là m'a dit il va pas connaître nèg comme chef. Il va connaître nèg comme chef. Et c'est nous-mêmes qui a perdu temps avec toujours. La Dominicaine n'est pas connait qu'un conseil présidentiel, il va connait ça. Il va ça régler pour lui. Ou elle invite nèg yo, monsieur invite nèg yo, monsieur pas comme si ambassadeur dominicain qui pas rien décide pas aller. Ou imaginons ça, c'est ça veut dire ou ambassadeur dominicain ou autorité haïtienne relé pour chita, il pas venu. OK? Il pas venu. Et ou a comprendre ça ça veut dire mon ami qui est là, non micro, comment nous y est? Non micro. Hello. Oui, non micro. Comment nous y est? On a micro. Si vous voulez faire passer une intervention, pas connaître sur ça qui a passé parce que n'a pas aidé situation haïtienne en Dominicaine. Si vous voulez intervenir sur ça, on avance. Passez tout dans micro. OK. Eh, mon direct là. Oui, on direct. Profitez ça le public là. OK, me salue le public là, me salue ou même bien fait bateau pour go travailler sur faire en société. Et de toute façon, ça a passé en République dominicaine. C'était pas ici qui vous prend responsabilité en main parce que yo te gon leader yo occupé micro nèg sans conscience et captouyer leader yo et yon seul bagay pou fait peuple haïtien il voulait nous lever camper aller dans institution l'état yo bureau l'état yo occupé yo bloqué yo c'est ça seulement qui pour ballon délivrance pays a bloqué yo quand tout bureau l'état yo et puis nous te gon leader nous remet que c'est leader a été choisi comme leader nous qui pour diriger nous bloqué tout bureau l'état yo et puis relé leader a bal position bal place là pour diriger pour nous si c'est pas ça nous fait tomber dans courir tout monde nous cap sortir République dominicaine yo campé bloqué pays, quand toute institution l'état est bloqué yo. C'est ça seulement pour sauver nous. C'est ça seulement pour sauver après ça pas grand rien qu'à sauver nous encore. C'est nous même qui responsabilité à nan nous y est tout peuple haïtien campé bloqué tout bio l'état et puis relé moun n'a pas diriger nous qui pour diriger nous bal tête l'état pour diriger nous et puis c'est fini pas pour une solution. À partir de aujourd'hui, à nous résoudre tout problème dans le pays. Fermez frontières. À partir de aujourd'hui, nous avons tout le monde. Mettez-nous en collaboration avec tout le peuple haïtien. Fermez toutes frontières. Et là, nous avons l'idée sérieux. Nous avons l'état sérieux. Nous n'avons pas besoin de relation avec la République dominicaine. Nous fermez le pays. La République dominicaine n'est pas pays pour nous avoir une relation avec lui. Et puis, nous bloquons tout pays, relons les dénouvelés. C'est ça qu'on fait pour nous sauver une solution pays. Relons les cas du pays. Quel parle l'autre monde qui est le Guy Philippe? C'est pas ça nous fait? Nous faisons quand même un coup dans le pays. Nous voulons qu'on qui est la bonne décision. Et pour nous jouer une bonne façon pour nous faire dire le pays.
Si c'est pas ça, nous faisons, nous faisons quand même la couille. C'est leader pas nous pour le mettre. Merci en pile, famille. Leader pas nous pour le mettre. Nous, bon leader déjà, nous avons choisi d'occuper la Dieu, qui a l'adoté nos oreilles, non? De Guy Philippe, c'est Guy Philippe, le bon Guy Philippe, c'est parce qu'il y a tout des équipes qui ont défendu. Un bon exemple. Je ne peux pas citer nous, nous, ça va engager l'émission, ça va engager nous-mêmes qui parlons. L'autre exemple, Pépé, ou pas comment, il vient à tout le dossier sur Guy Philippe, Guy Philippe, c'est bon. Ah bah, Jean-René, c'est l'artiste. Jean-René, ils ont accusé Jean-René devant un juge, international qui dit c'est l'artiste qui bat les armes, qui fait le gang, qui fait le journée, qui fait la situation, côté lié à la prison. Devant un juge, lui dit ça, oui. Tu n'intéresses pas, j'aime parler ça. Je ne sais pas, j'aime. Allez ça, il n'y a pas de preuve. Comme on dit, on n'a pas de preuve, vous avez preuve, vous avez Philippe, mon n'avez pas cherché de preuve pour sénatisme, c'est même équipe. Tout est gay équipe. Vous avez les câbles d'eau, ok, il y a beaucoup de nouveaux pays, ou a beaucoup de pays, mais il y a un problème. Quand c'est le temps, c'est la force côté. Elle est force côté dans le pays. Ou j'en ai cité le journal sénatiste, n'a fait un homme qui gaspille les âmes dans le pays, qui fait, yo, yo, vim, gagne, yo, j'en ai cité le devant juge. Il ne peut pas parler ça. Mais du Philippe, il dit non, c'est vous qui Philippe. Les Parisiens, les Vécampés, bloquer les pays, bloquer les pays. Entrez dans tout niveau, votre presse, tout vos institutions, pas une question. C'est le président, le président, nous parlons de la gare ça. Et puis nous mettons Philippe dans notre pays. Après 6 mois, pour nous, si nous n'avons pas bon résultat dans le pays. Et puis d'accord, merci. Merci en pile, Kébéla. Voilà. C'est des compatriotes haïtiens, justement, qui toujours après les, même tout chaque club, nous carré les voyer. Et audio, si nous parlons pas en direct, si nous parlons en direct dans le moment, nous avons envoyé une voice et m'a passé voice ça pour nous, automatiquement. Pardon, moi, monter dans l'émission, parce que c'est espace pas, non. Je voulais faire nous connaître que c'est espace pas, non. Mais j'ai une obligation pour que nous parlions tout parler et parole nous compter. Nous disons, nous avons une rubrique dans la plateforme, non, qui se voit nous tout compter. Nous devons toujours voir voice nous a passé. D'accord? Voice nous a passé. C'est très important. Et encore une fois, bam di avec compatriotes haïtiens nou yo kapé, tande nou la, qui se zami fami plateforme nan, les amis continuer supporter plateforme nan économiquement pour nous capables continuer garder comment nous t'ava aider quelques femmes haïtiennes qui gen petit sous bras yo en Dominicaine qui ta remet quitter la Dominicaine volontairement et pour rentrer Haïti parce que moun yo fè mande nan Haïti, moun grand gou nan men yo et grand gou pété fiel yo pa ka sou dehors et moun yo peur sorti a ti moun nan et personne si pou kont yo pou yal chèche bagay pou li pou yo pou immigration pa tout prèl pou ti moun yo tande kay lan parce que gen pile fam ki genyen ti moun sa so depote maria deja ti moun nan ritavel li menm li personne si pou yo pa depote l pou l perdi ti moun yo parce que le nèg yo pran ti petit moun pou maman comme maman petit la rete nan kay lan ou pa ou kapab chanm jen ti moun sa anko. C'est des crimes k'ap fèt en Dominicaine et janm di lan nou ka continuer voye voice pour que nous fait passer revendication. En attendant des citoyens citoyens ça qui est dominicain qui veut un voice qui prend de 4 minutes à nous garder dans nos parties là-dedans. Et parce que ben la grave. Oh, bonjour, comment est là? En forme. Et excusez-moi, m'a prêté un voice pour là. Dame, mon frère, vous ça passer. Bon, bamba, on besoin faire passer même la passe. Que la passe. Ou même attendez les pour faire une réflexion avec ça me va dire. Ba rien non, moi c'est un monde qui c'est domaine. J'ai fait un message passé parce que sur plateforme moi je crois que gain plus mon cap attendre le question cap comprendre qui ça me veut dire moi nous lancer un campagne de fermer frontières avec le République dominicaine d'accord avec là parce que m'pas d'accord avec fermer frontières non mais nan moment côté n'a fermer frontières là trouver que nous ca rendre ça venir rendre une catastrophe ce soir ici dans ce domaine. Que j'aime veut dire ça. Pour une bagarre. L'état pas supposé agir même j'ai avec Pep. L'état supposé agir en forme l'état. L'état pas attendre que ça Pep a dit et puis on agit dans ça que dans Pep a dit. Ça c'est un. Avant doit notre te faire mais premier bagarre nous était supposé faire c'est l'état était supposé lancer une conférence de presse ou bien faire une autre sortie tout haïtien qui se nomme yo ba yo délai pour tout haïtien sortie se nomme ça c'est un parce que quand tu me dis ça
Parce que faut nous connaître République de peuple dominicain déjà fâché déjà. Il est déjà enragé contre haïtien déjà. Ça c'est un. Donc on est République dominicaine qui a un business avec un Haïti qui est très fort. Qui est très fort. Immédiatement doit nous fermer. Il était déjà fâché déjà. Yo levé contre haïtien et qu'on a l'appui puis yo pas le que yo pas qu'à vendre en Haïti. Yo pas le fâché plus. Tendez bien ça me dit là. Yo pas le fâché plus. Et toute l'idée à vous dominicain, toute soirée de dominicain fait là. C'est des bagages qui ont dans tête yo. République dominicaine c'est parce que yo ka goumer avec Haïti vraiment. Même si yo gagne toute bagage. Mais problème là qui ça gagne, yo gagne espoir haïtien qui vient nous même qui connaît pas ça qui t'a passé entre Haïti avec ce nomain. Il y a fermé porte yo, il y a petit résultat haïtien qui est dedans. C'est force ça au gain soit haïtien qui ce nomain. Mais faut nous contrôler, il y a un pile haïtien qui vient ce nomain. Et peuple dominicain yo déjà fâché déjà, yo fâché dans moment là que yo lever contre haïtien. Qu'on est là pour nous lever pour nous dire pour fermer frontières sans que nous avons un délai pour tout haïtien sorti aller dans pays. Imagine qu'on est dans les frontières fermées là, qu'on est revenu, yo pas qu'avant avec Haïti, pas qu'à rentrer l'argent et puis frontières fermées et yo te quitte aller contre haïtien déjà. Ça va le passer qu'on est là, yo pas le nerf net ça quand compte yo fait un massacre sur haïtien qui a vu ce nomain. Laisse ça, c'est nous même encore qui la cause, c'est l'état qui la cause encore. C'est l'État qui la cause que vous faites massacre sur haïtien. Nous devons que nous avons essayé de réfléchir avant. Comme nous même ces informations à bail ou bien une plateforme pour ça, il y a un peu de monde qui a attendu. Nous devons que ça, c'est un bail qui est supposé réfléchir avant. L'État est supposé prendre responsabilité pour te dire que tout haïtien a un délai, un mois ou bien 15 jours, pour tout haïtien qui la République dominicaine. Alors là, quand les 15 jours ont passé, il y a un haïtien qui n'a pas quitté la République dominicaine. Là, si vous voulez, ça n'a pas de problème. Si Dominique est tout, le Dominique fait ça, ça n'a pas de problème. Mais l'État haïtien n'a pas dit rien. Tant que pour l'État haïtien, tu as cherché un gens pour résoudre le problème dans la fête là, tu ne peux pas le lever, tu ne peux pas le fermer les frontières. Tu ne peux pas le Dominique pour le fâcher plus. Et ni président, ni peuple, tout peuple avec le président, ni peuple là, c'est le monde qui est enragé. Tu ne peux pas le passer. Tu ne peux pas le lever. Il n'y a pas le lever, il n'y a pas le faire un massacre sur haïtien. Mais qui est-ce qui l'a causé? C'est même l'État encore qui l'a causé. Nous-mêmes qui l'a causé avec fermer frontières ça. Je préfère que nous débattions là au sérieux pour nous débattions d'elle pour tout haïtien sorti. Qu'on est là après, nous t'es qu'à fermer frontières. Mais fermer frontières comme ça là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et. Bah nous garantit. Bah nous garantit. Depuis que fermer frontières en Haïti. Et le Dominicain pour le fâcher, tout le monde pour le fâcher. Tout pays après le fâcher, tout pays après le fâcher, il y a un massacre sur tout haïtien qui est dans le domaine. Laisse ça nous parler. Si nous te connaissons, nous ne pouvons pas frontières. Si nous te connaissons, il y aurait fait une conférence de presse pour prioriser tout haïtien. Ou voir les pays qui ont fonctionné. Pour prendre exemple, soit américain, soit la France. Dans quel n'importe pays, il y a un français taille. Yo ta wè gen problèm nan peyi sa, se rele yo rele pèp k ap viv nan peyi sa, yo di yo kite peyi a. Immédiatement yo pa kite peyi a, se pou wè menm peyi, menm la France ou bien États-Unis voye avion pa yo al ramase moun k ap viv nan peyi sa. Konprann? Yo voye avion ou bien yo fè moun yo antre nan peyi yo avan ki se ap fè yon bagay. Men nou pa ka aji konsa. L'État haïtien pa ka aji konsa. Il n'y a pas qu'à agir, il y a plus de fermer frontières, parce que vous avez un problème avec le pays déjà. Il faut qu'on ait Haïti pendant la guerre avec les Dominicains. C'est les Dominicains qui voulaient faire guerre avec Haïti. C'est eux-mêmes qui. Aïe. Foucault taxe. On avance. Bah nous garantit. Depuis que vous fermez frontières en Haïti, les Dominicains pourraient pas le fâcher, tout le monde pourrait pas le fâcher. Tout pays après le fâché, tout pays après le fâché, il y a un massacre sur tout haïtien qui est dans le domaine. Laisse ça nous parler. Si nous te connaissons, nous ne pouvons pas faire frontières. Si nous te connaissons, il y aurait fait une conférence de presse pour aller tout haïtien. Ou voir les pays qui ont fonctionné. Pour prendre exemple, soit américain, soit la France. Dans quel n'importe pays. Voilà. Et son situation qui est extrêmement compliquée. Nous vivons les moi-même, les mapes images en Dominicanie, littéralement en pile. Alors, nos grands amis qui relaient, par contre, si vous voulez passer dans l'émission, comment nous y est, famille? Allô, Beto, comment y est? Bonsoir, ou en direct sur la plateforme, comment nous y est? Oui, bien, frère, nos amis, nos paysans, mon pays, mon bel, c'est pareil. Comment y est, chérie? N'a pas goûté, grâce à Dieu, famille.
Il y a tant de richer mon âme, mon soir fait jeune garçon, hein, Beto. Baga ça te fait me crier, Beto. Baga la grave. Baga ça te fait me crier en pile, Beto, l'aime garder j'en ai fait. Et famille, nous, les paysans, nous, passer misère dans Saint-Domingue, Beto. Moi, ça fait, yo, écrit comme ça, Beto. Et parce que nous, t'es occupé, yo, ou Beto, ça fait nous passer misère comme ça, Beto. Baga la terre, baga la terre. Ça fait mal, Beto. Il fait mal. Quand je suis sous chaise roulante, je me sens comme je ne peux pas marcher. Si je suis capable de tourner la caille dans le pays, d'avoir allé en sapit, la caille, moi. D'avoir dit tout le monde en sapit, puis de traverser les frontières en sapit d'énal, pour ne pas aller la caille, je me sens même à l'acheter. Et ça me sent comme d'affaire. Mais comme je ne suis pas capable, je prends le mot au fond, Beto. Oui, je continue à parler avec le peuple. Parle avec paysan nou moun an sapit nou yo moun lot bon nou yo moun forêt nou yo pou pa travèse fontye moun sa yo encore yo fè nou passe trop misère. Oui, très important. Même si c'est pas moi même avoir mais c'est famille nou, c'est frère nou yo ye, c'est même sang nou gagne, c'est même sang, mais voilà. C'est ça fè nou passe trop misère. C'est triste en tout cas. Mais comme il aime te tendre te dire comme ça. Ou de voye numéro téléphone ou ba moun, ou te ka voye image, jeune garçon ba moun. Ou te ka voye le bon, moi c'est à l'être la fontan. Oui, ou ka voye le bon, ou pas capable? M'a capable, m'a save numéro là, m'a voye le bon, m'a voye le bon, kounya. Ok, voye le bon, m'a tende bête, ou numéro m'non gantan, ou elle y va voye? Mouel, pas gipo, m'a fait le kounya là, ou met femme. Ok, chérie. D'accord, famille. Assez bonne journée. Voilà, et c'est ça. C'est une situation qui est extrêmement compliquée. N'a vivre là. Haïtien yo a victime en pile en Dominicani. Pas gen autorité qui pour prendre décision. Alors on t'attend des interventions et citoyens tout à l'heure. OK, on t'attend des interventions citoyens tout à l'heure. Alors bah nous comprenons ça monsieur Dian, hein? Mais c'est Haïtien qui en Dominicani pour le moment. Qui ouè que si la nan Haïti li pa vive lan, li pa capable, li pa accepté pour frontière fermée. Mais nous même qui ouè que frontière lan fermé en c'est pigo, c'est ou nan pigo. Alors? Oui, nous tout en direct, oui, comment est? Ou te vle parler? OK, d'accord, pas de problème non, moi ta remè faire quelques interventions. Eh ben tout profiter ça, tout profiter ça les chaque grand monde capable dans dollar, capitaine dollar. Eh bien OK d'accord. Monsieur Beto, moi salue vous qui a fait un grand travail, un bel travail à travers les réseaux sociaux, en plus qui travaille pour le peuple haïtien. Alors, le sujet que vous avez touché là concernant le peuple haïtien qui a passé et péripétie dans le pays Saint-Domingue, bon, pour ne pas dire dans la zone Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue n'est pas un pays, raison que ce n'est pas un pays, parce que d'ailleurs, peuple haïtien, nous connaissons l'île qui est l'île d'Haïti. Alors que façon que nous avons passé misère là, et li bon pour que, on t'a même dit, tout média yo, t'a va lever voix yo. C'est pas yon a réglé, on bagaille à gauche, on a réglé, on bagaille à droite. Parce que problème peuple haïtien, c'est problème tout média. Tout média de lever voix yo, pour que nous capables soulever contre injustice qui a fait sous dos haïtien en République Dominicaine. Moi, je pense que haïtien doit prendre une décision. Dans minute ça, je pense que avant révolution, il déjà atterri et l'a soufflé très fort à travers un pays panouan. Ça, il doit soulever colère tout peuple haïtien pour lever camper pour que Haïti joue une libération là. Dans minute ça même que nous avons parlé là. Moun que a déporté yo par bonne et par paquet. Nous devons mobiliser yo, renforcer yo, remonter moral yo, et puis pour que nous continuions à rejoindre Guy Philippe, qui c'est maître révolution, pour que nous avancions, pour nous porter une victoire dans la bataille que nous avons menée. Moi, c'est Dagobert Jocelyn, depuis les États-Unis. Merci. D'écoute, salut. Qu'est-ce que la famille? Bonne journée. Voilà. D'accord, merci. Voilà, salut encore une fois tout Haïti qui vive aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que la balague? Bagayo terrible. Et c'est ça. Alors, j'en me dis là, on a continué à faire voir peuple à passer. Et on capable toujours voyer audio pao, voyer message.
qui est texte là, nous capable lire pour nous faire passer dans voix nous et pour parce que situation qu'on a vivre là, c'est voix nous toutes compter. Voix nous toutes compter, c'est parole nous toutes qui pour mettre ensemble et parce que faut que son seule grande parole, une force nous, une voix nous pour nous et pas faire passer revendication nous. Parce que ça peuple là vivre là et en Dominicaine là, franchement, c'est des bagages qui extrêmement compliqué. Nous pas capable continuer à garder ça dans les yeux toujours. Que nous tout prenons engagement nous, que nous tout prenons habiter nous pour nous garder comment travailler des peuple ça sorti. Aïe, que nous tout prenons engagement pour nous permettre que peuple ça sorti dans situation difficile effectivement que les trouver là. Et j'aime toujours dire combat pas facile mais son engagement, son responsabilité que nous prenons. N'a pas continuer prendre pour nous permettre que peuple ça joigne route li. Situation compliquée. Non continuer et mener combat parce que c'est combat qui n'a pas mené nous croit que qui va permettre que Haïti jeune route là n'a tourné tout à l'heure pour une autre édition sur plateforme YouTube Infobetoa m'a pas de nous partager émission yo partager de tout côté une façon pour nous capable permettre que plus haïtiens capable découvrir plateforme là et pas oublier tout ça regarder sur écran c'est lui même d'équipe président d'Haïti pour le moment mais la Dominicaine n'est pas reconnaître lui invité ambassadeur dominicain Dominique pas Dominique ambassadeur dominicain pas répondre avec convocation monsieur mais par conséquent si c'est ministre affaires étrangères pays d'Haïti qui convoque monsieur et monsieur pas venir rapide vite il a sauté notre compte ça veut dire que monsieur pas chef mais j'espère que monde qui connaît au chef là assume responsabilité yo. Monsieur pas prendre rien comme décision contre la Dominicaine rien comme décision contre la Dominicaine. Pour ça, on passe l'intervention Garia encore. Parce que l'intervention Garia, il frappe les gens. On passe. Nous voulons passer Garia encore. Garia, bon, on passe Garia. Garia, il peut le chaler. On passe Garia encore. Passe Garia encore. Passe Garia. Bonjour. Nous finissons avant Garia. Après Garia, nous finissons. Nous sommes là. Bonjour à Pays. Je me suis gagné. En pile force à courage. Avant. Aïe, aïe, aïe. Que je commence l'émission. Et pendant que je prépare l'émission depuis hier. Scoop! Aïe, aïe, aïe. Je viens là très tôt. Je fais un échange avec Juan. Scoop! Et puis pendant que je fais échange, là, mon photo, mon image qui paraît sur l'écran. Et puis moi, c'est un citoyen haïtien que Dominicain a violé. Moi, dites-moi, qu'à des misères que nous avons passées en terre voisine, et nous pas même capables. Et... DH Jazz. Appelions en pile, mais il faut nous donner l'intervention. J'ai pas fini. C'est nous-mêmes haïtiens qui devons diriger le pays. Nous devons faire effort pour haïtiens capables de vivre en Haïti. Nous avons gardé le mode d'opération politique qui gagne en Haïti, nous quoi nous fait commencer dans problème avec qualité politicien ça où nous gagne qui réduit la peau de chagrin, qui mettait à genoux et qui tuait une fois de plus l'empereur. Scoop! Depuis des décennies, Haïti a été trahi par ses propres fils et filles. Scoop. Ceux qui ont pillé les ressources de notre nation pour ensuite fuir et vivre confortablement en République dominicaine. Ces politiciens et membres du secteur privé des affaires, après avoir détruit notre pays, se sont installés de l'autre côté de la frontière, laissant derrière eux, Davidson, un pays en ruine.
ces élites qui ont profité de leur position pour s'enrichir, ont armé des gangs et orchestré des actes de violence pour maintenir leur pouvoir. Ils ont signé des contrats. Des contrats bidons, détourner des fonds publics et utiliser des prête-noms pour cacher leur fortune. Et maintenant, ils vivent en toute tranquillité en République dominicaine, loin des conséquences de leur action. Nous sommes neuf au pouvoir parce que nous ne pouvons pas avoir un président, une fraction de neuf. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité et l'inefficacité de notre système politique. Les élites politiques, qu'elles viennent de la province ou de Port-au-Prince, ont échoué à apporter des changements positifs pour changer pays ça, pour faire ça au capable, pour nous-mêmes, nous capables vivre comme un monde, comme un citoyen. Elles ont plongé notre pays dans le chaos et la misère. Ce matin, nous faisons appel à tous les Haïtiens, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser pour répondre à cette crise. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, mais de dignité humaine et de respect des droits fondamentaux. Nous devons dénoncer ces actes inhumains et exiger des actions concrètes pour protéger nos citoyens. La prise de conscience de nos politiciens et de la société est fondamentale. Il est temps de cesser les querelles internes et de se concentrer sur les véritables enjeux. Chaque Haïtien doit se sentir concerné par cette situation et agir en conséquence. Les politiciens doivent mettre de côté leurs intérêts personnels et travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Nous lançons un appel urgent à tous les Haïtiens, en particulier à ceux qui ne sont pas des espions ou des employés de Louis Abinader, à se mobiliser partout dans le monde. Il est temps de donner une réponse forte et unie à ce fasciste. Nous devons organiser des manifestations pacifique, des campagnes de sensibilisation et utiliser toute la plateforme disponible pour faire entendre notre voix. La communauté internationale doit être alertée de la gravité de cette situation. Bien que nous devions nous organiser pour accueillir dignement nos frères et sœurs rapatriés, il est tout aussi important de montrer notre solidarité et notre détermination à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. Il est impératif que nous réagissions de manière collective et coordonnée pour mettre fin à ces violences. Il est également important, et je le redis, de souligner que de nombreux Haïtiens qui ont été au pouvoir en Haïti, ont pillé les caisses de l'État et investi l'argent détourné en terre voisine. Ils sont incapables aujourd'hui, ils sont incapables de dénoncer publiquement les autorités dominicaines de peur d'être déportés et de perdre leurs biens. Pourtant,
Il critique à UEADIA toutes les autorités haïtiennes, comme s'ils avaient bien dirigé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Pour la plupart, ils ne sont que des espions de la République dominicaine. Et leur silence complice ne fait que qu'aggraver la situation. Il est temps pour nous, grâce à Impasse, de nous unir et de lutter contre cette situation inacceptable. Nous ne pouvons plus, nous autres, rester silencieux face à ces violations des droits humains. Et peut-être au même ensemble, gars. Nous pouvons faire la différence et protéger les droits et la dignité de nos compatriotes. Ce matin, pour faire le point sur cette problématique, nous recevons à Impasse Yves-Marie Chanel. Voilà. Et nous devons attendre pour me faire notre temps de... encore. Parce que pas oublier, ça qui a passé là, nous devons vrai visage tout le monde là-dedans. Et Gary paraît tout col, nous dit bravo avec Gary. Gary dit lui-même, il n'y a pas de la Dominicani. Il n'y a pas de car Dominicani, il n'y a pas de terre Dominicani, il n'y a pas de business Dominicani. Et bien justement, il y a une position pour Haïti, Jean que lui. Bravo avec Gary de Paul Charles. Mais par conséquent, tout ça qui est écran, il ne s'est pas dit quick. Et puis il dit quick là, il y a tout dit, il ne s'est pas prendre sur l'autre bois. Il fait un dossier. Deuxième bagage là, si bien qu'on a l'autre bois, il y a saisi. Troisième bagage là, salaire que vous avez ou pas toucher là encore. N'a pas tout net à l'évolution. Bon Dieu bénis nous. Que bella.